wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors on reste bien évidemment dans l'univers de GTA VI, puisque nous avons quelques informations à son sujet, surtout en ce qui concerne le développement. Alors c'est Yann2295 qui nous a donné des informations. Alors je vais tout de suite vous lire ce qu'il a écrit. Alors salut, de ce que je vois, le prochain GTA est en effet dans le développement. L'emplacement n'a pas encore été décidé, comme certains articles peuvent le dire, mais le jeu est bel et bien en développement. J'ai gardé un œil sur les ouvertures d'emploi de Rockstar North depuis un petit moment maintenant, et j'ai remarqué que depuis ces deux derniers mois, les offres d'emploi n'ont cessé d'accroître, ce qui me laisse penser que le jeu est probablement dans le développement réel maintenant. À en juger par les ouvertures d'emploi, je dirais que la majeure partie de la carte a été réalisée, ce qui est la première chose à faire par Rockstar North, et ils ont commencé à travailler sur les autres choses tout en complétant la carte, c'est-à-dire qu'ils font la carte de base et ils progressent au fur et à mesure en fonction des missions, etc. Mais dans tous les cas, nous avons une longue date d'attente avant d'avoir la moindre information à propos du prochain GTA, donc ça c'est ce qu'il disait hier, et là il a réédité son post pour faire suite à ce que je disais hier au sujet de la carte étant bien faite. Il semble qu'ils ont commencé à réaliser les premiers mission, comme on peut en témoigner l'article que Rockstar North ont posté disant qu'ils cherchaient une personne pour réaliser des missions et un scripteur technique. Alors nous recherchons des personnes dont les compétences combinent excellence technique avec une passion pour la création de jeux. Le rôle implique la programmation de scripts basés et une collaboration étroite avec nos autres disciplines de l'animation, l'art et de la programmation. Dans le cadre de l'équipe de conception de niveau que vous allez utiliser notre propriété dans la maison, langage de script pour coder des missions de jeu et créer des scénarios de gameplay immersifs mettant en vedette à elle la physique, le jeu en réseau et la narration interactive. Responsabilités, compétences en programmation sont nécessaires. Le rôle implique la programmation basée sur un script de la liaison avec les artistes, animation et programmateurs, etc. etc. Donc Rockstar North a bel et bien commencé le développement de GTA 6 vu qu'il cherche actuellement des programmateurs pour créer de nouvelles missions. Alors j'espère que Rockstar North va nous donner des informations très rapidement, surtout à l'E3, surtout sur l'endroit où ça va se dérouler, ce qu'on va devoir faire. Enfin bref, il y a tellement de choses qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a de très très bonnes choses qui vont arriver dans l'avenir, et Rockstar North va pas tarder à nous donner des informations, en tout cas je l'espère. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous, dans l'espace commentaire, vous me donnez un maximum de vos avis. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver sur GTA 6, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.